Depuis avril dernier, notre ZEE, soit 4,8 millions de kilomètres carrés, est classée en aire marine gérée. Elle fait désormais partie des 50 espaces naturels protégés du Code de l'environnement, parmi lesquels notamment les parcs territoriaux de la Tefaiti à Papenho, de Waikivi à Huahuka aux Marquises, ou encore la réserve de biosphère de la commune de Fakarava. Depuis les années 2000 déjà, les ressources hauturières de la ZEE sont réservées aux pêches locales et depuis 2002, le Fénois est le plus grand sanctuaire des mammifères marins au monde, protégeant également l'ensemble des espèces de requins et des tortues marines. Aujourd'hui, il s'agit de préserver et maintenir en bon état de conservation le patrimoine naturel marin, de valoriser et développer les activités de pêche durables, de trouver une cohabitation harmonieuse entre tous les usages, d'améliorer la connaissance par la recherche et les systèmes de savoir traditionnels, d'assurer une gestion coordonnée et partenariale des espaces, de développer une coopération politique et technique avec les pays voisins et de contribuer au rayonnement de la Polynésie française. En un mot, c'est un très bel héritage que nous allons pouvoir transmettre à nos enfants. Le JTV Radio, la minute de l'environnement.